Voyons voir. Ça devrait marcher. Un bidon d'essence. Oh, t'en avais bien besoin. Ça doit le faire. Qu'est-ce que... Dis, Cope, cet homme que je traque, il a tué qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cope? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Que je demande ? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. La ferraille, cool. Ouais. Bon, par où? Je m'en sors. Le voilà! Casque argenté! Réservoir rouge! C'est lui! Oh putain! Qu'est-ce que... Donc t'as cru que tu pouvais traverser le camp Gobelin et tout mitrailler, c'est ça? Piquer des gens, piquer du matos, être cassé? On fait un tour au supermarché? Tu passes pour Copland ! Arrête ! Facilite pas la tâche, là! Je t'emmerde, Drifter! Copland peut aller se faire foutre! Figé! Non, 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 non! Pas ma moto! Non, non! Arrête!
Hey, sale connard! Ah, non, 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 non! Figure-toi que Cobb voit pas ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny? Hein, qui réparait ma moto, hein? Sale petite merde. Va te faire foutre! T'es un des larbins de Copland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Coupe, c'est fait. Le tien. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Il est en vie? Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il le restera. Terminé. Boozer, t'es là? J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Ouais, dis que je suis là. Accroche-toi, frangin. Dès que tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, j'espère. Ça me manque grave, moto. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et qu'on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras remis. Ok? Terminé. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification. Le nid. Il doit être par là. Pas tomber mieux. Enfin. Oh, je dois pas être loin d'un nid. Je le sens.
Voyons voir. No!
est, ce putain de nez. Il doit pas être. Va brûler. Encore des munitions. Voilà, on y est.
Ça n'a pas l'air trop grave. C'est reparti. Et voilà. Ça y est. Solène.
Ouvrez la porte. On veut pas d'ennui. D'accord ? Ils sont où, Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde ? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ha, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hey, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Al! Est-ce qu'il venait vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Alkaï! C'est pas à lui de savoir ça! C'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Est-ce que t'as retrouvé Léon? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant? Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu 2 morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est proche du vôtre? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va où ça lui chante. J'arrive plus à respirer. Putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit? Mais comment qu'on le laisse brûler? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence, ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto? Tu pisseras dans le réservoir? Qu'est-ce qui se passe encore? Le compte y est pas, il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire, ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison.
Un ramassis de feignants, menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu, plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là, à espérer que je leur offre le gîte et le couvert, pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, hey, toi! Remets-toi au boulot! M'oblige pas à aller chercher Cyrus! Bande de moi, ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent, le soir, mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus, t'étais quoi? Directrice de prison, un truc comme ça? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. On aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu près de lui. Il est sûr de lui? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sait reconnaître un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Doug, je veux le reste de mes crédits. Pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants. Et je te couvrirai de crédits. Alkaï. Tu veux quoi, Drifter? C'est quoi ton problème? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifters portent encore leur couleur? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Celui-là? Bel engin. Besoin d'autre chose? Ok, ok. Je bouge pas. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane n'est pas réparée. Va pour Copland. Ce que je peux faire.
peux t'aider ? Eh, quoi neuf ? Tu cherches un truc en particulier ? C'est quel sus, ta bécane ? Reviens quand tu veux. À la prochaine. T'es là pour ta moto ? Hé, hey, comment ça va ? Salut, mec. Hé, hey, wow. Quoi de neuf ? On fait du plan au boulot. Hé, hey, fous-lui la paix ! John, tu me reçois ? On a du boulot pour toi à Hot Springs. Tucker, bien compris, j'arrive. Terminé. Deacon St. John ? Ici Tucker. Comme je te disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Boozer dans le coin. T'es sûr qu'il va bien ? Pour t'occuper. Sûrement à rouler pour ce fils de pute de Mark Copeland. J'ai comme l'impression que Boozer ne porte pas dans son cœur. Je te l'ai dit, je suis place irrégulière, terminé. Hey les gars, ouvrez ce putain de portail. On ouvre. Hey, Cope. Je crois que Léon devait te ramener ça. Ah, Dick. Va voir Manny. Il pourra peut-être t'aider avec ta moto. T'as besoin d'un truc ? Avec mon pote ? Hey, Manny. Niveau
carburant, ça commence à être juste. Super. T'as besoin d'autre chose? Je prépare tout ça comme il faut. Tu devrais tenir un moment avec ça. Excellent choix, mon pote. Excellent. Ah ouais, ça c'est du bon matos. Super. T'as besoin d'autre chose ? Prépare tout ça comme il faut. Tu devrais tenir un moment avec ça. Excellent choix, mon pote. Excellent. Tu sais où me trouver? À la prochaine. Tu crois que les mutants sont de quoi? Je jette un œil. Vous avez des sentiments, genre la joie, la tristesse, tout ça. J'en sais rien. Putain, Dick, t'as entendu? Des hélicos noirs. Les fédéraux survolent encore les environs. Tu te rends compte? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cope ne parle que de ça. Pour lui, ça confirme ce qu'il dit depuis le départ. Comme quoi c'est les fédéraux qui seraient responsables de tout ce merdier. Tu vois le genre? Ces délires de conspiration? Tu crois qu'il pourrait avoir raison? Copeland? Avoir raison? Sur quoi que ce soit? Sûrement pas. Mais écoute bien, si jamais tu vois un hélico noir, un hélico du Nero, tu me préviens, compris? Ouais, pas de problème, Dick. Compte sur moi. Ouais. Ton truc, c'est la chasse. Moi, c'est la compta. C'est tout pour aujourd'hui. Compris. Merci. Et à la prochaine, alors. Je pensais pas qu'on te verrait si souvent. Comment ça va? Bah alors, pas assez de crédit? Ok. Eh, hey, on te voit de plus en plus dans le coin. Manny, quoi de neuf? Ok. On repasse me voir quand tu veux, ok? Dickon, j'ai pas lâché l'affaire pour le réservoir. Celui dont tu m'as parlé, la peinture est sensibilisée. Manny. Tu sais où me trouver? Je vais voir de quoi on peut encore avoir besoin. A plus, mon pote. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. J'ai encore cassé un putain de rasoir ce matin. Dans notre soi-disant utopie mondialiste, au lieu de profiter des meilleurs produits de la planète, on s'est retrouvé avec les trucs les plus pourris produits par la main-d'œuvre bon marché des pays étrangers.
De tout ce qu'on a fabriqué ces 50 dernières années, rien n'a été conçu pour durer. Comme ça, au lieu d'acheter une fois, on achetait encore, encore et encore. Il fallait toujours avoir la dernière voiture, le dernier téléphone, les derniers ceci et cela. Tout ça pour entretenir la folie mercantile. Si on veut quelque chose qui dure, faut pas se tourner vers l'étranger, non. Il faut de vrais travailleurs américains aux manettes. Nous, quand on construit quelque chose, ça résiste à l'épreuve du temps. Et les mains calleuses qui ont bâti ce pays, elles sauront faire face à tout ce que ce nouveau monde nous jettera à la gueule. Nos routes plient, mes amis, mais elles ne cèdent pas. Bon, oh, allez, c'est parti.